Bonsoir tout le monde, marhaba bikoum. Mercredi 14 Ramadan, 14 Ramadan, Al-Furma'meur. Ce soir, très belle conférence, première conférence de Ramadan avec notre cher docteur Fouzia Qadiri. Conférence qui va tourner autour de la vie terrestre, deux points, aspect neuro-existentiel. Nous remercions d'avance la Fouzia pour avoir accepté l'invitation comme d'habitude. On lui connaît beaucoup de générosité et de partage, de volonté de partage avec les autres. La Fosia, bonsoir. Bonsoir La à Fosia. Sidi, bonsoir tout le monde. Ramadan Moubarak Saïd. الله يجعله يدخل علينا بالصحة والعافية والإيمان والتقوى. وميرسي encore pour l'invitation à Sidi Hicham. الله الله يبارك فيك يدخل لاله. علينا. ان توكا الله يجعلنا ان شاء الله في هذه الليله المباركه السعيده نكونوا بهذا المجلس الذكر من جلساء الملائكه السائحين اللي تيقلوا على مجلس الذكر واللي تيشملوا بالرحمه ديال الله سبحانه وتعالى جميع الحضور. Alors, on va démarrer directement. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salatu wassalamu ala maulana rasulillah wa alihi wa sahbihi. Ala barakatillah. Tfadl ya Allah. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alors c'est un thème effectivement qui va intéresser beaucoup de gens parce que c'est un thème existentiel et c'est un thème qui voilà tout le monde se pose la question de d'où c'est qu'on vient où c'est qu'on part. Qu'est-ce que cette vie terrestre, etc. Et là, le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous informer qu'au fait, la vie terrestre, eh ben, c'est parmi cinq autres vies que nous avons à vivre. Et Allah nous a informé aussi dans le Coran que cette vie terrestre, ben, c'est la vie des obligations, c'est la vie des épreuves, et que tout tourne autour de la façon avec laquelle on va justement la vivre. Donc, cette vie terrestre, on a des devoirs, on a des engagements vis-à-vis de Allah subhanahu wa ta'ala, notre Khaliq, mais aussi vis-à-vis des êtres humains et vis-à-vis du monde animal et végétal. Et que notre destin au total, finalement, il va dépendre de nos intentions, il va dépendre de nos paroles, de nos actions durant cette vie. Mais Allah nous informe également que nous avons à vivre d'autres vies. Et c'est ce que nous allons voir. Comprendre qu'on vit plusieurs vies, c'est très important. Et c'est quand même extraordinaire de se dire que cette science, elle est importante pour les humains, elle est importante pour notre vie, elle est nécessaire. Et c'est important de se connaître soi-même, parce que la connaissance de soi, c'est vraiment la naissance à sa propre lumière. Et donc, la première vie que Allah subhanahu wa ta'ala va nous décrire dans le Coran, elle commence depuis l'origine des temps, et ça à partir de la création de Sidna Adam. Puis va venir la deuxième vie, qui est la vie terrestre. On va développer tout ça, de la naissance à la mort. Puis, il y a la troisième vie, celle de la tombe, celle qui appartient au monde du Barzakh, celle qu'on appelle le monde intermédiaire, et après la mort jusqu'au jour du jugement. Puis il y a la quatrième vie, celle qui commence le jour de la résurrection, où Allah va ressusciter tout le monde jusqu'au jour dernier, et enfin la cinquième vie, la vraie, l'éternelle, dans la demeure permanente, alors qu'il s'agisse de l'enfer ou du paradis, Et ben, ce sont des passages d'une dimension à une autre, et mourir, puis vivre pour mourir et enfin être ressuscité. Et dans Surat Baqara, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous dire, après A'oudou billahi minash shaitan rajim, bismillahir rahmanir rahim, kayfa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Et connaître ces étapes, c'est vraiment prendre conscience de l'importance du temps que nous avons à vivre sur cette terre et réaliser que sa durée est très courte.
très, 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 très courte comparativement aux autres vies, aux vies antérieures, bien sûr, et postérieures à cette vie terrestre. Par exemple, si on se pose la question, ça fait combien de temps que Sidna Adam a marqué sa présence sur Terre? Combien de siècles va durer le temps passé dans la tombe avant le jour du jugement dernier, qui lui-même, comme il a été décrit dans le Coran, va durer 50 000 ans. Donc, on prend conscience que la vie terrestre est vraiment très, très courte. Et même si on peut penser que le temps, dans d'autres dimensions, elle est relatif, parce que la notion de temps n'est pas du tout la même dans cette vie terrestre et dans les autres mondes, mais ça reste quand même très court. Et puis, comprendre cela, c'est aussi donner un sens à notre vie. Apprendre à se connaître, de l'intérieur d'abord, pour laisser jaillir cette lumière et gagner la liberté. Parce que finalement, au total, un homme qui n'est pas libre de l'intérieur, ben, il sera forcément esclave de l'extérieur. Donc, je reprends ce que nous dit le Coran et comment nous avons existé à l'état atomique dans le monde antérieur au moment où Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé Adam, et c'est notre première vie, et elle commence avant même notre conception dans l'utérus de notre mère. Alors, toute l'humanité fut tirée des reins de Sidna Adam alayhi salam. Et dans Surat Al-An'am, Allah subhanahu wa ta'ala, il va dire, c'est lui qui vous a créé à partir d'une personne unique. L'homme n'est pas le résultat, mais d'aucune évolution. Ce n'est pas un descendant du singe. L'homme n'est pas non plus le croisement de différentes créatures ou espèces. Tous les hommes sont nés de Adam. Et cette humanité-là, elle fut tirée des reins de Adam depuis le début du temps, c'est-à-dire au moment de la création de Adam. Et ça, c'était notre première naissance. Et l'aïa qui va appuyer cela, c'est Rabbi subhanahu wa ta'ala qui dit « وَإِدْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ دُلِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. Alors cette ayah, on peut passer une conférence ou deux ou trois dessus parce qu'elle est très très riche en informations. Qu'est-ce qu'elle va nous apprendre? Elle va nous apprendre d'abord que toute l'humanité dans sa dimension atomique est née de Adam avec la naissance de Adam. C'est-à-dire moi, toi, nous, Kemlin, tous, nous sommes nés il y a des millions d'années. Et toute l'humanité est apparue en une seule fois. Et ce même meshed, il va se reproduire à nouveau le jour du jugement. Yawm al-Qiyamati. Et toute cette humanité, kulha, va apparaître devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais cette fois-ci, chacun va tenir avec lui sahifa diyalou. C'est quoi? C'est-à-dire son livre de comptes, tous ses comptes de nos obligations, de nos devoirs, de cette vie terrestre. Et tout, absolument tout tourne autour justement de cela, de cette vie terrestre. Ça, c'était la première information de cette ayah. La deuxième information que l'on peut tirer de cette ayah, c'est que Allah a fait témoigner contre nous-mêmes qu'il est bien notre Rabb. Il n'a pas dit « il », il a dit « Rabb ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est notre créateur, ça veut dire qu'il est notre éducateur, ça veut dire qu'il est détenteur de toutes choses, nous compris, et qu'il est possesseur de tous les pouvoirs, les nôtres compris. Et que nous devons l'adorer, Allah subhanahu wa ta'ala, sans lui associer quoi que ce soit, qui que ce soit, et ça conformément à ce pacte justement, « Elestu bi rabbikum » Bella Shahidna. Est-ce qu'on va se rappeler et reconnaître en toute conscience sa puissance, sa suprématie, et qu'Allah est notre créateur, notre bienfaiteur, notre maître? Là est la question.
Maintenant, la troisième information qu'on peut avoir, c'est Elestu bi rabbikum bala shahidna, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a émis une parole qui a été entendue par toute l'humanité. Et toute l'humanité a répondu. Il ne nous est pas été précisé est-ce qu'on a vu ou pas vu, mais en tous les cas, nous l'avons entendu. Pour pouvoir répondre, on a entendu. D'où l'importance de sema' dans le Coran. Mais qu'en est-il de la vue dans cette première vue? Eh bien, Ahadith rapporte que Sidna Adam, alayhi salam, a perçu parmi tous ces êtres-là un être magnifique et a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala qui c'était. Allah subhanahu wa ta'ala a répondu, c'est Daoud. Et Adam lui a demandé de lui donner 40 ans de sa vie. Cela voudrait dire que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dotés non seulement de Sama', mais aussi de l'Basar. Et ça depuis le début des temps. Alors, had Sama' ou had l'Basar, dont on doit rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu la'ika kana anhu mas'oula, surat al-Isra. Donc on va devoir rendre compte de justement had sam'a ou had basar, et ghir had al-aya bouhidha, elle peut faire l'objet d'une conférence. Alors c'est quoi had sam'a ou had basar ou had fu'ad? C'est quoi? Est-ce que c'est l'ouïe? Est-ce que c'est la vue? Ou est-ce que c'est la clairaudience, la clairvoyance? Eh bien, je vous laisse réfléchir en attendant la prochaine conférence et on en rediscutera. La quatrième information de Elestu bi rabbikum bala, c'est qu'elle nous enseigne que toute l'humanité a répondu que oui, bala. Shahidna. Alors, je pose la question. Qui parmi nous osera revenir sur sa parole? Qui parmi nous reniera son Khaliq, son Rab? Sinon, celui qui se voile la vérité. Kafara veut dire voiler, veut dire cacher en langue arabe. Et enfin, la cinquième information est des plus importantes, c'est que ce témoignage sera rappelé le jour de la Qiyama et qu'on ne peut pas dire qu'on ne savait pas. إن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. Ce qui suppose que nous savions depuis le début qu'il y aura un jour du jugement. Oui, Zama, d'y penser, je te dis, avant même de naître, ben on savait qu'Allah, un jour, allait nous juger sur ce pacte de Rububiya, Elestu bi rabbikum bala shahidna. Et si nous sommes censés nous en rappeler le jour de la résurrection et en témoigner, de ce pacte, ce qui va s'inscrire dans la conscience humaine collective, et ça depuis l'origine des temps. Et on se dit, est-ce possible? Ben oui, tout à fait. Parce que qu'est-ce qu'elle nous a démontré, la physique quantique? Elle nous a démontré que l'espace n'est pas vide, qu'il est rempli de fluctuations électromagnétiques. Restez avec nous, s'il vous plaît. Je pense qu'il y a un problème d'Internet. Le temps que la conférencière se reconnecte. Merci.
La fusilla. C'est bon? Oui, Oui, c'est ça. je vous ai perdu un moment. Je suis désolée. Oui, parce que vous aviez un problème d'internet, l'image était figée. Alors, vous voulez me donner un petit moment? Je change Bien sûr, pas de souci, pas de souci, pas de de problème. minute. Pas Je de vais souci là-bas. changer. Voilà, j'ai changé de routeur en espérant qu'il y aura moins de soucis. Bon, bien, à la barakatillah. Merci. Très bien. Eh bien, on parlait justement de cette conscience collective et on disait que la physique quantique a démontré justement que l'espace n'était pas vide et qu'il y avait énormément d'informations. Et que toutes ces informations-là, eh bien, elles étaient là depuis le début de la création. Et qu'elle constituait justement cette conscience collective. Donc oui, effectivement, on peut avoir gardé en mémoire collective ce pacte qu'il y a eu avec Allah subhanahu wa ta'ala lors vraiment de notre première vie. Parce que qu'est-ce qu'ils ont montré les physiciens quantiques? Ils ont montré que quand une parole est dite, eh ben, ces vibrations vont être inscrites dans le champ. Et le moindre mouvement, eh bien, il est considéré comme une vibration et sera inscrit dans le champ. Le dernier des atomes est défini comme une vibration et sera inscrit dans le champ. Et ça, dans tout l'univers, et on aura tout le temps toutes les informations concernant tout l'univers, la Terre, les hommes compris. Alors, plus que ça, ils ont démontré que même une pensée, une intention, quand elle est émise, eh bien, c'est une vibration et elle est inscrite dans le champ quantique. On appelle ça le champ divin. Donc, on peut dire que finalement, ce pacte est encore inscrit dans le champ universel et qu'il appartient à la conscience humaine collective, puisque c'est à elle qu'il a été adressé. Au fait, le témoignage de ce pacte, Alastubirak Bikum Bella, va s'inscrire également dans notre mémoire génétique. Et celle transmise de génération en génération. Et comment cela? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est faisable? Eh bien oui, ça a été prouvé grâce à l'avancée de l'épigénétique. Jusqu'à il y a quelques années, eh bien, qu'est-ce que nous disaient les généticiens et les scientifiques? Ils nous disaient que finalement, l'ADN était figé et que rien ne pouvait changer. On sait que l'ADN, c'est cette molécule biologique qui est présente dans tous les noyaux de nos cellules et qui contient toutes les informations génétiques. Eh bien, les généticiens d'aujourd'hui ont calculé que finalement, on avait des milliards et des milliards d'informations, mais que malheureusement, l'humanité a perdu au cours des siècles plus de 75% des informations qui sont encore dans notre ADN, mais dont la lecture ne se fait plus du tout. Pourquoi? Parce qu'il y a eu constriction de l'ADN et des branches surtout des chromosomes. Je pense avoir discuté de ça lors d'une conférence sur Sourate Al-Alaq. Donc lorsqu'on dit que ce pacte peut s'inscrire dans notre mémoire génétique, eh ben, l'épigénétique ne le contredira pas. Les dernières découvertes, d'ailleurs, ont montré que certaines informations ont monté jusqu'au Big Bang. Donc, si Adam est bien après, et donc, c'est des informations que, effectivement, on a dû certainement enregistrer dans cette mémoire génétique. Mais ça voudrait dire aussi, puisqu'on a perdu beaucoup d'informations, que les générations qui étaient avant nous, c'était des générations qui avaient plus de savoir, peut-être, ou plus de connaissances. Et ça, on le voit. Rabbi Subhanahu wa ta'ala dit: Khalitkum l'ayat, il y a les générations avant vous. Et par leurs vestiges, les Mayas, les Incas, les Pharaons,
ils avaient un savoir et une science mais absolument incroyable. Les Occidentaux, c'est un savoir importé par les extraterrestres. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans Surat Al-An'am, n'ont-ils pas vu combien de générations avant eux nous avons détruites, auxquelles nous avons donné pouvoir et puissance sur terre, bien plus que ce que nous vous avons donné. Donc il nous précise Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a dit dans plusieurs ayats, il a dit qu'il a khalq l'ibad, ktar minna fil quwa w f tol, etc. Ktar minna et ça, c'est à chaque fois, il reprend dans certains versets pour nous dire, est-ce que vous avez vu, est-ce que vous avez vu tous ces gens-là avant vous? Donc, certainement qu'ils avaient beaucoup de savoir et beaucoup plus que nous. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous informe qu'il a dû les détruire tous ces peuples par leur mécréance et parce que ils ont dénié ce pacte qui a été fait avec Allah subhanahu wa ta'ala pour de nouvelles générations. Et malheureusement, ces générations ont beaucoup perdu de ce savoir. Alors ça, c'est les épigénéticiens qui disent ça. Les neuroscientifiques aussi, ils ont démontré que le profil génétique pouvait changer et qu'il n'était pas immuable. Alors que pendant longtemps, on nous a dit l'ADN, elle est comme ça et pas autrement, etc. Là, maintenant, ils nous disent non, l'ADN peut changer justement. Elle est capable de se contracter, cet ADN, pour perdre des informations, comme elle est capable de s'épanouir et de se dérouler pour nous apporter des informations. Et une fois que notre ADN change, que ce soit dans un sens ou que ce soit dans l'autre, eh ben nous changeons complètement, nous changeons de comportement, de valeur, de raisonnement et nous changeons d'attitude. Eh ben, ce pacte de « Alastu bi rabbikum bala shahidna » explique clairement ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset « Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun » D'ailleurs, le premier khitab dit Allah subhanahu wa ta'ala « Al-Bashariya » c'était dans surat Al-Baqara quand il a dit « Ya ayyuhannas » عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Mais cela n'explique pas toute la destinée de l'homme. Elle parce qu'elle repose sur un autre pacte qui est aussi important, sinon plus important, qui est le pacte de l'Emana. Allah subhanahu wa ta'ala va proposer à ses créatures les plus puissantes de celles qu'il trouve entre les cieux et la terre d'accepter cette Emana. Ce dépôt de la foi, qui est une responsabilité morale pour l'homme. Mais l'homme n'avait pas saisi le poids de ce que cela représente et il l'accepta. Shuradiq Allah subhanahu wa ta'ala, Inna aradna al-amanata ala al-samawati wal-ard wal-jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha l'insan. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. Énorme responsabilité dont l'homme n'avait pas mesuré du tout la conséquence. C'est-à-dire reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala et se soumettre à lui en toute conscience et en toute volonté. Alors que toutes les créatures, toutes, sont soumises à Allah subhanahu wa ta'ala, كَرْهًا أَوْ طَوْعًا. L'homme a choisi, lui, de se soumettre en conscience, c'est-à-dire je prends conscience que je me soumets à Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi qu'en prenant ce dépôt de la foi, de l'MNA, il a le choix de se soumettre comme il a le choix de ne pas se soumettre. Il va prendre cette responsabilité. Et Rabbi subhanahu wa ta'ala dit « Wa qulil haqq min rabbikum, faman sha'a falyu'min, wa man sha'a falyakfur. » Et il va dire dans une autre ayah, donc chacun va faire son choix. Et dans ce choix-là, eh ben, dépend notre destinée et dépend notre finalité. Le choix de croire en Allah, en ses prophètes, dans le jour dernier ou de ne pas y croire, eh ben, il nous revient à nous.
Et ça, c'est la plus grande des épreuves. La plus grande des épreuves. Alors, on a vu le premier pacte, on a vu le deuxième pacte, mais est-ce que les deux pactes, ils se suffisent pour expliquer toute notre mission sur Terre et tout ce que nous avons sur Terre? Ben non, Rabbi subhanahu wa ta'ala, il va les sceller justement par sa volonté de peupler la Terre d'humains et d'en faire un khalifa. Et radiqu al-mala'ika wa id qala rabbuka lil-mala'ika inni ja'ilu fil ardi khalifa. Alors la question qu'on peut se poser au fait, c'est qui d'entre nous se rappelle de ce pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala? Qui se rappelle de ces pactes? Personne, oui ou non? Personne ne se rappelle avoir conclu un pacte avec Sidrbi, parce que nous avons oublié. Oui, nous avons oublié. Mais comme on l'a dit précédemment, c'est inscrit dans non seulement la conscience collective, mais c'est aussi inscrit dans notre mémoire génétique. Et, comme on le sait, il suffit tout simplement d'un rappel. Un rappel pour entrevoir la vérité et pour la comprendre. Et notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme tous les autres prophètes d'ailleurs, ne sont venus que pour le rappel. Que pour le rappel. Parce que toute cette vérité, nous sommes censés la porter en nous. Je radiqullu, fadakir, inna dhikra tanfa' al-mu'minin. Ben, en effet, le rappel ne va intéresser que le mu'min, celui qui déjà est dans la lumière. Par contre, ceux qui voilent leur cœur, ceux qui sont dans le déni, eh ben, ceux-là, ils n'entendront pas, ils ne verront pas. Et déjà, Allah subhanahu wa ta'ala, dans surat Yunus, il va dire à notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ صُمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ. Il va lui dire, وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْضُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يَبْصِرُونَ. Et bien, en effet, Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa rahma, il nous a doté de ce que j'appelle des canaux de connexion, des canaux de connexion avec le monde immatériel, avec le monde métaphysique, avec le monde invisible. Je peux même dire que ce sont des canaux qui nous relient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on les utilise, c'est-à-dire quand on est dans le sam' et dans le basar, c'est-à-dire dans la clairvoyance et dans la clairaudience, eh ben, on voit la vérité. Mais par contre, quand on les voile, eh ben, on va être dans le déni et on va être dans le coffret. Allah subhanahu wa ta'ala va l'exprimer aussi clairement dans une autre ayah, la surat al-A'raf. Adiqul, وَلَقَدْ دَرَأْنَا لِجَهَنَّمَا كَثِيرٍ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يَبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أُذُنٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Et ce terme, ce wasf dial al-ghafiloun, justement, c'est bien celui qu'il a utilisé dans le premier pacte. Quand il dit, et pourtant, quand Allah subhanahu wa ta'ala parle de rappel, c'est qu'il sait qu'au fond de notre mémoire et au seuil de notre conscience, il sait qu'on connaît la vérité et il sait qu'elle va se refléter dans notre cœur comme dans un miroir. Et ça, il le sait parce que cette vérité-là existe en nous, existe dans notre essence. Seulement, il y a beaucoup de choses qui vont venir pour voiler cette vérité. Et les choses-là, Rabbi subhanahu wa ta'ala, dhakarhumna fi al-Qur'an, qalhumna. Qalhumna, il y a des choses qui vont vous voiler le basara, et qui vont vous voiler le sam'a, qui vont vous voiler le qalb diyalkoum, le fu'ad diyalkoum, et qui vont vous éloigner de la vérité. Et bien, il a parlé de quatre choses essentielles. La première des choses qui va nous éloigner de la vérité, c'est d'abord l'enseignement de nos parents et
très souvent dans le Coran, tu retrouves quand Rabbi t'ébrinhi ou la t'éji wahd nabi bashinhi, tu dis laqina aba'ana ala hada. Ça fait, on a trouvé nos parents sur ça et on part. Et ça, effectivement, c'est un phénomène qu'on va retrouver assez souvent dans des peuples qui sont devenus mécréants et dont les prophètes n'ont pas pu vraiment les remettre sur le droit chemin. Depuis 14 siècles, avec le Coran, je pense que plus personne n'a d'argument à apporter dans ce sens-là. Parce que le Coran, il est là pour justement nous éclairer et nous apporter toutes les lumières dont on a besoin pour nous rappeler cet acte de « Elastubira bikum bela ». La deuxième des choses qui va voiler justement ces canaux de connexion que nous avons avec Allah subhanahu wa ta'ala et qui va nous éloigner de nos devoirs et de notre mission de vie, et ben c'est Nifs Amara. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il en a parlé, il nous a avisé dans le Coran. Et il nous a rappelé qu'il a inspiré en nous une âme qui se trouve dans la dualité et qu'un des buts de la vie est justement de la combattre. Donc, une des missions, c'est d'avoir cette capacité et cette volonté de combattre Nifs Amara et de soumettre هاد النفس هادي الاحكام ديال الله سبحانه وتعالى. Alors c'est une des épreuves que Allah nous a donné parce que ça aurait été trop facile de mettre tout à notre disposition et de nous dire bon voilà, vous allez jouir de tout, de la terre, etc. Non, il y a des choses à faire et entre autres c'est justement de combattre هاد النفس الاماره هو الجهاد الاكبر. La troisième des choses qui va voiler cette vérité, bah, c'est Shaitan. Et Shaitan aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous en a parlé dès le début, il nous en a parlé pour qu'on en prenne conscience. Parce que Shaitan, dans le Coran, c'est clair, il s'est promis justement de mettre l'homme et de l'emmener vers sa perte. Et Allah va nous expliquer dans plusieurs ayats pourquoi et comment Shaitan, justement, qui est notre ennemi depuis l'origine des temps, eh bien, comment il va s'acharner à nous sortir du droit chemin. Et ça, il y a dans le Coran suffisamment de ayats pour comprendre effectivement le rôle de Shaitan. D'ailleurs, à lui seul, il peut y avoir une conférence pour comprendre quelles sont toutes les astuces, les déploiements qu'il fait, les mesures qu'il prend pour justement faire sortir les gens du droit chemin. La quatrième des choses, eh ben, c'est Suhba, CIA. Et de nos jours, on peut parler de mauvaises influences de l'environnement. On peut parler des mauvaises fréquentations, on peut parler des réseaux sociaux. Et tout ça va éloigner l'enfant de sa fitra. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surah Al-Kahf, qu'est-ce qu'il va nous dire? واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Le message est clair. Tu veux rester dans le droit chemin? Ben, reste en compagnie des gens qui sont dans le droit chemin. Et ça, maintenant, dans le domaine de la PNL ou du coaching, ben on te dira, dis-moi quels sont tes 5 plus proches amis, je te dirai qui tu es. Maintenant, on le sait, le Coran l'a dit, ça fait 14 siècles. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas donné uniquement sam' ou le basar ou le fu'ed pour qu'on se connecte à lui ou là pour qu'on le reconnaisse ou là pour qu'on se rappelle de ses pactes. Il nous a fait naître avec une fitra. Et le fitra allati fatara an-nas 'alayha. Et cette fitra hadi, justement, eh ben, un hadith nous rappelle que déjà depuis la naissance, on est tous musulmans, c'est-à-dire soumis à Allah, reconnaissant notre Rabb. Et que ce sont nos parents
qui vont soit nous rendre musulmans, soit juifs, soit chrétiens, soit zoroastriens, soit carrément incroyants. Et cette fêtera, bon, on le sait parce que c'est notre nature primordiale. Elle est d'une grande pureté, elle est dans Tawhid, elle est dans l'unicité, c'est elle qui est connectée et qui peut nous connecter à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourvu bien sûr qu'on la préserve, pourvu qu'on en prenne soin, pourvu que les parents vraiment s'investissent pour justement garder cette fêtera. رب سبحانه وتعالى شو غادي يقولنا في القرآن؟ غادي يقولنا فأقيم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Et Allah nous rappelle que lorsqu'on dirige notre être vers la lumière de Dieu, eh ben on peut rester relié à lui, on peut rester relié à notre Khaliq. C'est cette fitra justement qui a permis à beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens et de personnes de rentrer dans l'islam. Parce que ce sont des gens qui, finalement, n'avaient pas de critères ou avaient plutôt tous les critères matériels pour être heureux. Et ils vivaient, mais quand même, un mal-être qu'ils ne comprenaient pas. Et ils sentaient une constriction thoracique qui peut aller jusqu'à... vraiment jusqu'à l'angoisse et la panique. Et intuitivement, ils étaient en quête de vérité. Et quand Allah a levé les voiles, parce qu'Allah s'est dit maniachet, et bien leur âme s'est apaisée et ils se sont sentis mieux. Et bien qu'est-ce que va nous dire les neurosciences? Ils vont nous dire que justement, ils ont découvert une zone du cerveau qu'ils appellent le cortex singulaire. Ce cortex, lui, va veiller à notre réalité existentielle. C'est lui qui va détecter le sens et le non-sens à nos paroles, à nos actions, à nos pensées. C'est-à-dire que quand il y a cohérence ou là quand il y a incohérence entre nos valeurs et nos actes, eh ben, en IRM fonctionnel, notre cortex singulaire va se manifester. Comment ? Eh ben, dès qu'on va poser une question existentielle, c'est-à-dire quelque chose qui est en relation avec notre spiritualité, quelque chose qui est en rapport avec notre... ce que nous sommes, ce qu'est l'humanité, d'où nous venons, quelle est notre destinée, où nous partons, quel est ce jour de jugement. Et bien, quand nous sommes en incohérence avec toutes ces valeurs spirituelles, ben, en IRM, on voit que le cortex cérébral commence à chauffer et il se libère des hormones de stress dans l'organisme. Alors, quand je vous dis ça, c'est pour les croyants, non-croyants, musulmans, non-musulmans, c'est pour tout le monde. C'est-à-dire que le cortex singulaire, c'est vraiment une partie du cerveau qui est là pour détecter le non-sens de ce que nous entendons, de ce que nous vivons. Et donc, quand il est dans le non-sens, dans l'incohérence, avec toutes les valeurs spirituelles, eh bien, il va commencer à sécréter, il va se mettre en détresse. Il le voit en IRM fonctionnel, vraiment, il devient tout rouge. Et il y a sécrétion de cortisol et d'adrénaline, on sait que ce sont des hormones de stress. Et tout de suite, il y a une forme d'oppression thoracique et une forme d'incompréhension, de panique même. Et là, on sait que réellement, on est dans un non-sens. Eh bien, au contraire, quand on dit à une personne qui est sous IRM comme ça fonctionnel, à qui on fait cet examen, et qu'on lui dit des choses cohérentes, comme quoi Dieu existe, que l'humanité a une mission, qu'elle doit être dans l'empathie, qu'elle doit être dans la bienveillance, etc. Quand on dit tout ça, eh bien, du coup, ce cortex singulaire se calme et donne un sentiment d'apaisement à tout le cerveau, qui lui envoie des messages au corps pour dire « tout se passe bien, on est bien ». Et on est effectivement dans réellement le bien-être. Donc, vous imaginez un petit peu cette sensation de mal-être et de bien-être, comment est-ce qu'elle est en rapport avec des choses qui sont réelles, existantes, et qui sont mesurées et ressenties par une partie de notre cerveau qui, elle, soit va mettre notre corps dans le stress si on est en incohérence avec tout ce qui est spirituel, ou alors elle va le mettre dans un état
soit de stress, soit au contraire d'apaisement. D'apaisement. Et alors, à ce moment-là, la personne, on sait qu'elle est vraiment dans la bonne voie, elle est dans la voie de la lumière. Alors, quand Allah subhanahu wa ta'ala parle de l'fitra, il termine l'ayah par quoi ? Il termine l'ayah par « Walakin akthara an-nas la ya'lamun ». C'est-à-dire que la majorité des gens ne savent pas. En effet, la majorité des gens n'étudient pas la science divine qui est seule garante du savoir et de la vérité. Depuis quelques dizaines d'années, nous avons eu un changement de culture, mais vraiment sur un versant de 360 degrés. On s'est imprégné de toute la culture occidentale et nous avons perdu cette culture où les enfants allaient apprendre le Coran où on comprenait d'abord ce que c'était que la science, qui était d'abord la science divine, qui était le Coran, avant d'entamer des études de médecine, d'astrologie, d'astronomie, de mathématiques. Et d'ailleurs, tous les savants de l'époque de gloire musulmane et andalouse, et ben, tous avaient commencé d'abord par le Coran. Tous étaient des juristes, tous connaissaient d'abord le Coran. C'était la science divine d'abord et avant tout, avant d'entamer des études, que ce soit des études scientifiques ou là des études mathématiques ou autres, il y avait d'abord cette science divine qu'il fallait connaître pour s'assurer que les autres sciences étaient en totale cohérence avec la science divine. Je suis sûre que, continuant sur leur chemin, on serait parti très très loin, on aurait certainement découvert encore des choses extraordinaires, mais qu'on ne serait pas dans le nucléaire, on ne serait pas dans la bombe atomique, on ne serait pas dans ces choses-là. Parce que c'était des gens qui, avant de démarrer les sciences techniques, ils développaient leur conscience avec les sciences divines. Chose que nous avons perdue. Nous avons totalement perdu, malheureusement. Et vous comprenez que quand on dit « la ya'lamoun », vous comprenez que Allah subhanahu wa ta'ala par la première ayah li nzilat ala Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Et ben ça veut tout dire. Ça veut dire pas seulement comme on nous l'a des fois appris lire ou la réciter, mais ça veut dire aussi comprendre tous les signes de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comprendre et méditer sur tadabbur, surtout sur le kitab al-mahfoud, qui est le Coran, et ses versets, sur le kitab al-manshur, qui est l'univers, mais c'est aussi le règne animal et végétal. Et effectivement, mais c'est une science infinie, mais infinie. Et de méditer, bien sûr, sur les variations du jour et de la nuit. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous en parle beaucoup dans le Coran. Comprendre tout ça, comprendre ces différentes saisons, comprendre tout ça, eh ben, tous ces signes divins, ben, nous sommes censés les méditer, nous sommes censés d'brufihum et les rattacher à l'Khaliq, subhanahu wa ta'ala. À nous de comprendre, à nous de découvrir la vérité en rapport avec Allah, subhanahu wa ta'ala, le Créateur. Et cette vérité, une fois qu'on l'aura comprise, une fois qu'on l'aura su, eh ben, elle va miroiter bien sûr dans nos cœurs. Et ça, elle va miroiter et nous rappeler et avec certitude, elle est soubira pikum, bella shahidna. Là, je dirais que la responsabilité des parents, et les parents, ils ont un très grand rôle à jouer, une responsabilité absolue. Parce que, au fait, il est de leur devoir de protéger le fitra de l'enfant des mauvaises influences, des mauvaises habitudes. Et il faut déjà qu'à la puberté, les parents rappellent aux enfants
tous les articles de la foi, qu'il leur rappelle leurs obligations, qu'il leur rappelle leurs interdits, déjà à la puberté. Or, regardez comment on se comporte avec nos enfants, nos adolescents. On se comporte avec eux comme si c'était des enfants rois, qu'il fallait surtout pas brimer, mais qu'il fallait qu'ils s'épanouissent, qu'il fallait répondre à tous leurs besoins, qu'il fallait, etc., sans qu'on pense du tout à nos devoirs ou à les protéger et à protéger l'enfêtre, c'est-à-dire leur rappeler leurs devoirs, leur rappeler leurs obligations, leur rappeler des interdits. Et ça, que ce soit Sira Nabawiya, chaque âge, à partir de tel âge, voilà ce que tu dois lui apprendre, à partir de tel âge, voilà ce que tu dois apprendre, etc., etc. Là, au fait, ce ne sont pas des obligations. Au fait, ce sont des protections. C'est pour protéger nos enfants et leur permettre justement de vivre leur vie et surtout, surtout, d'atteindre l'objectif qui est de sauver leur âme. Et quand un adolescent il comprend qu'il est en âge d'assumer ses responsabilités, d'assumer ses actes et ses gestes, eh ben, je pense qu'on lui rend service. Parce que plus tôt il a compris, et mieux c'est pour lui. Eh ben, il faut que les parents les sensibilisent. Plus tôt ils ont sensibilisé, et mieux c'est. Sensibiliser à l'amour de Dieu, sensibiliser à la lecture du Coran, à la connaissance de Dieu à travers Asma'Allah al-Husna. Et bien sûr, la prière qui est elle, qui discipline la vie et autour de laquelle tourne toute la vie, eh ben, c'est des choses que les parents doivent vraiment, non seulement donner l'exemple, mais amener les enfants à faire leur prière. Et il n'y a que quelques dizaines d'années, eh ben, Rabbi Beit, il appelait toute la famille pour venir faire sa prière. Absolument pas, la prière se faisait en groupe, à la maison. Et tout le monde était là, le personnel compris. Ça, je m'en souviens très très bien, chez mes grands-parents, et ben, le personnel compris. Mais c'était et tout le monde était là. Et ça, l'enfant, et c'est une discipline, et à partir de là, peut-être qu'il va protéger d'être fait radieux, qu'il va l'aider à retrouver cette lumière et à comprendre ce pourquoi il existe. Bien sûr, les parents, ils ont le rôle de surveiller également les fréquentations parce que, comme on l'a dit, c'est quelque chose d'extrêmement important jusqu'à ce que cet enfant arrive à l'âge du discernement parce que vient la jeunesse. Et la jeunesse, justement, ben, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous dire vous serez questionné sur votre jeunesse. Pardon, ça c'est Hadith Nabawi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les pieds d'un serviteur ne bougeront pas de l'endroit où il se tiendra le jour de la résurrection avant qu'il ait été interrogé sur 5 points, sa vie, à quoi il l'aura consacré, sa jeunesse et à quoi il l'aura épuisé, sa richesse et comment il l'aura obtenue et comment il l'aura dépensée. Donc, et la jeunesse est justement très importante. Elle est la jeunesse parce que Bnedem, il a pris conscience, bien sûr, le rôle des parents. Et il est dans donc, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Quelle motivation il va avoir pour défendre, pour montrer l'exemple, pour défendre l'islam, pour etc. Et on a vu dans les histoires prophétiques d'Yel Sahaba qu'autour de lui, ben, il y avait des jeunes de 16-17 ans qui prenaient des responsabilités de Razawet. Et Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, il leur donnait ces responsabilités parce qu'ils savaient qu'ils étaient en pleine fougue de l'âge. Pourquoi cette jeunesse? Pourquoi? Parce que tu as tellement d'énergie, tu as tellement à dépenser. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit d'ailleurs, hadith Qudsi, si tu la dépenses dans ta religion, si tu la dépenses dans l'ibadat, et si tu la dépenses, bien sûr, en donnant cet exemple-là, ou bliyaqin, ou b'troi, eh bien, nahar yom qiyama, tu seras parmi ceux qui seront avec l'arche, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la jeunesse, elle est vraiment très importante. Or, cette jeunesse, elle ne se fait pas comme ça. Cette jeunesse, il faut la préparer.
Il faut préparer cette jeunesse pour justement lui permettre, au moment où elle arrive à cet âge de discernement, de discerner le bon du mauvais et de savoir ce qu'il lui faut pour se rapprocher d'Allah, ou ce qui est mauvais et ce qui l'éloignera de la vérité. Et puis après, va venir la maturité. Et cette maturité-là, Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte de nous donner de la sagesse et du savoir et dans une des sourates, sourate Ahqaf, il y a un verset que je trouve absolument magnifique, un verset qui au fait va permettre, si vous voulez, à la personne adulte de pouvoir demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Rabbi غادي يجيب هذا الدعاء هذا سوره الاحقاف غادي يعطي هذا الدعاء للبشريه pour lui dire sois bon envers tes parents et je te donne cette prière que j'appelle la prière du salut, celle qui va essuyer et éponger toutes les erreurs et les péchés de jeunesse. Mais bien sûr, à condition que le bnadem radi rja' bitawba et qui va se repentir et qui va rentrer dans le droit chemin, c'est évident. Et tout le monde la connaît. Hatta ida balara ashaddahu wa balara 40 sanata qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa أصلح لي في دبليتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Moi j'appelle ça la prière du salut. Et d'ailleurs il y a بزاف ديال العلماء qui te disent quand tu approches la quarantaine, c'est une prière que tu dois faire et répéter et répéter ou troll khlas troll tub définitivement. Tub définitivement. Pourquoi? Eh ben parce que tout simplement quand quand vient la vieillesse, eh ben, on n'a plus d'excuses du tout. Et Hadith Nabawi dit qu'à partir de 60 ans, eh ben, on n'a plus d'excuses. Et que Allah subhanahu wa ta'ala n'accorde plus d'excuses à l'homme. Nité idnib, nité khta, nité hadi. C'est beaucoup plus grave parce qu'il a eu le temps de mûrir, il a eu le temps d'apprendre, il a eu le temps de revenir à Dieu, il a eu le temps de se connecter à cette lumière. Et donc par conséquent, quand on arrive juste à 60 ans et que mazal marjana shallah wa baqin tayhin wa baqin telfin wa baqin mazal rabbi subhanahu wa ta'ala Allahu a'lam, mais c'est difficile. Hadith Nabawi, mais il n'accorde pas d'excuses. Il n'accorde pas d'excuses à un homme quand il dépasse les 60 ans et qu'il reste encore tel. Donc, tout ce qu'on vient de voir, c'est assez résumé dans notre deuxième vie. C'est assez résumé, mais on ne peut pas rentrer dans tous les détails des obligations, de la mission de vie. Ça peut être un sujet à part. Quels sont bien sûr, qui va te donner après les missions de vie, les sagesses qu'il doit déployer, quelle est sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, quelle est sa relation avec l'abd, bien sûr, on ne peut pas le développer, mais grosso modo, pour les gens qui se posent ces questions existentielles, il faut savoir que tout ça a existé dans une première vie. Puis cette deuxième vie qui est extrêmement courte, eh ben, on va devoir être à l'écoute de notre cœur, être à l'écoute de notre âme, être à l'écoute des paroles divines qui vont nous permettre justement d'illuminer notre chemin et de trouver le chemin de lumière. Donc, après la première vie, la deuxième vie, vient
la troisième vie. Et la troisième vie, c'est celle qui commence avec la mort. C'est la vie d'El Barzakh. Alors, Hnaya, c'est le lieu où toutes les âmes vont, et toutes les choses spirituelles vont être dominantes. C'est-à-dire que le corps physique va complètement dépérir et va disparaître complètement. En dehors de, comme dit Ahadith, l'extrémité inférieure de notre colonne vertébrale, à partir de laquelle on sera ressuscité. Mais sinon, tout le corps va dépérir et va partir. Alors, il y a beaucoup de Ahadith, justement, qui, sur l'étape de la mort, qu'est-ce que devient notre âme, sur le moment où Nekir et Munkar viennent interroger dans la tombe, est-ce que cette tombe sera une tombe de sérénité ou est-ce qu'elle sera une tombe de tourment. Et ça, c'est, ça peut être un sujet à part et une conférence à part, mais ce n'est pas l'objectif de notre sujet, de la conférence d'aujourd'hui. Donc, cette troisième vie, elle va durer un temps. C'est la vie intermédiaire. Un temps. فوقاش ماتوا القرون الاولى هما دو مازالين دو لوغ طومب مازالين في البرزخ كي ايز اتوند ايز اتوند لو جور دو جوجمون ايز اتوند سيت كاتريام في لو جور او اون سوفلرا دون لو كور ونفخ في الصور دونك اي او توت لومانيتي فا ريسوسيتي كلهم غادي ينوضوا اي يفون دونك Et Allah subhanahu wa ta'ala va nous dire dans le Coran que chaque âme sera escortée d'un conducteur et d'un témoin. Donc, avec les anges scribes, des canotiers qui marquent nos actes, ils vont nous accompagner. Allah subhanahu wa ta'ala il va dire aussi que les gens seront reconnus selon leur, par des marques, selon leurs actions. Et donc, les mauvaises personnes seront dirigées directement en enfer. Ceux qui sont dans la lumière et dont l'aspect sera illuminé, alors ces gens-là, ils auront un autre parcours, disons. Et vient le temps de l'hisab, de la balance, du pont, de Sirat. Tout cela est décrit de façon très précise entre le Coran et l'Hadith. Mais c'est juste pour rappeler que les contes n'intéressent que notre vie terrestre. Ils n'intéressent pas les autres vies. Il n'intéresse que la vie terrestre. Et c'est sur cette vie terrestre qui est extrêmement, extrêmement courte, je le rappelle encore une fois, qui est très, très courte, et bien c'est sur elle que nous, on sera questionné. Et c'est sur cette vie-là qu'on sera ou récompensé ou définitivement anéanti. Une vie courte, certes, qui n'aura duré que finalement un laps de temps comparativement aux autres vies, c'est-à-dire entre le moment fash khalaq sidna adam et au moment fash rabbi subhanahu wa ta'ala radi ba'ath toute l'humanité. Et ben elle va déterminer notre éternité, elle va déterminer notre cinquième et dernière vie, bien sûr selon nos intentions, selon nos actes, selon nos paroles, selon la certitude de ce qu'on faisait, selon la sincérité, selon trois diennes, et ben elle va, c'est cette cinquième vie qui au fait est la vie éternelle, qui va être entre soit Jahannam, l'ayyadu billah, soit le jinnah, ou yaj'alna kulna ahlaha. Je terminerai cette conférence en disant Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirah hasana wa qina adhab an-nar. Ya Rabbi ij'al hadhihi al-lila mubaraka ala al-umma al-islamiyya wa ighfir lana dhunubana jami'an wa ij'alna jami'an min ahli al-jannah. Ya arhamar rahimin ya Rabbi al-alamin. Wa qul qawli hadha wa astaghfir Allah li wa lakum. Wa je vous remercie pour votre écoute. Merci, La Fouzia. Très, très belle conférence. Les cinq vies sont passées très rapidement. Et la vérité, je pense que finalement, c'est ce qu'on va vivre tous. Le temps reste éphémère. Il faut toujours aller vers l'essentiel. Nous tenons à vous remercier, Lalla, pour cette très belle conférence. Je sais qu'il est tard et que vous avez fait l'effort
nous abreuver de vos connaissances. الله يجعل وجه الله في ميزان حسناتك. أحبتي في الله ميرسي. مقبل الله. أحبتي في الله ميرسي دو فوت بريزونس. مي عندنا إن شاء الله غدا صباح غدا مع ساعة العصر pour une autre conférence, bien sûr. Merci à vous. السلام عليكم.